feuilles sont tombées sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église, où le pas de leur porte en troupeau de désert titubant encore, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son